les phrases tranquillement. T'es obligé de faire une prépa. Le tout c'est d'aller en sélection une fois pour toucher les deux. KB9. KB9. C'est Karim. KB9B. C'est le futur ballon d'or. KB9B. Demain, ça va être une petite reprise sur D-Born. Ça fait longtemps que j'ai pas fait depuis 2019. Oui, où il y a eu des sacrés chronos. Mais ni de limite, ni d'objectif pour ni me décevoir, ni me. Mais peut-être me surprendre, quoi. Il fait un gars du cours, c'est un mat, il fait du athlon. Guerre 2 en tête. Il est en ASICS Metaspeed. La semaine dernière, j'avais une grosse course en Sardaigne que je pouvais pas annuler, donc j'ai couru dessus, donc ça a réveillé la douleur. Après, voilà, j'espère que ça fait une semaine que j'ai pas couru. J'espère que demain, ça pourra passer au moins sur les 5 premiers kilomètres, et puis après, on verra au fur et à mesure. Les sensations sont bonnes, j'ai passé des bonnes séances test avant la course, donc j'espère que ça va bien se passer, et puis on va aller chercher un bon chrono, mais dans tous les cas, on va en mettre partout. Bonjour monsieur, c'est par ici. C'est toi qui non, mais juste bande du TFL. C'était magnifique. Je pense que garder l'attention pour que l'attention ait. Ouais, mais je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison. Mais les photos. Du coup, j'ai dû lui expliquer clairement qu'on était là pour en mettre partout, rapidement, comme vous le savez. Et que voilà, qu'on est de Bretagne et qu'on représentait un petit peu du coup le Temple Run Club en Bretagne et qu'on fédérait un peu des coureurs autour de notre projet, autour de la course à pied. Et du coup, je vous souhaite à tous pour demain une très bonne course. Hein, j'espère que tout le monde sera beau demain et sera en confort pour aller faire des nouveaux RP. Demain, bon, on est là pour parfait, mais faut pas oublier le plaisir. Il y a une belle densité, donc il y a moyen à chaque fois d'aller chercher un RP. À chaque fois qu'on a fait des événements comme ça, comme disait Benjamin, ça a été propice au record personnel, donc y aller juste en prenant du plaisir et la perf suivra, quoi. Parti assez rapidement, il y avait Azedine Abs, Maël et puis un autre gars qui sont partis devant à 3 d'entrée de jeu. Ils imprimaient un gros rythme. Moi, je suis parti derrière avec Adrien Pileux, un pote du HBA. Et on était à 2,54 à peu près les deux premiers kilos. Et en fait, je pense que c'était un peu rapide pour moi. Je me suis accroché pour finir. Il y a des copains du TRC qui m'ont rattrapé, Romain notamment. On a fini ensemble un peu en dessous de 30-30, donc ça reste une bonne perf, mais un petit peu déçu du chrono, mais ça reste quand même une bonne course et ça donne, on va dire, une bonne base pour le semi. Je suis content, j'ai pris des risques.
Ça n'a pas énormément payé, mais 29-33, record perso égalé, je pense, à peu près à une seconde près. Donc, hyper content. En plus, je finis au sprint avec mon copain de club de duathlon, Adrien. Donc, c'était vraiment cool. Les sensations d'avoir franchi la fameuse barre des 30 minutes, elle me fait de l'œil depuis que quelques mois, quelques années même maintenant. Donc, super content, 29-56 en temps officiel. Je réalise pas trop. C'est un énorme chrono, c'est une barrière symbolique hein, pour les coureurs. Voilà, j'oublie pas quand même que on bénéficie de l'évolution technologique, hein. On avait les chaussures carbone. Maintenant je pense que ça va devenir la norme, donc faudra faire avec. Mais en tout cas très content du chrono, bonnes conditions, organisation mais millimétrée grâce à Kevin Souringuez, vraiment royal, il nous a mis dans des conditions de performance quoi. Et super fier aussi d'Adrien Pileux qui fait deuxième aujourd'hui, mon camarade de club. Et Maël Sicco, troisième, qui a pris des risques et qui a animé le début de course. Donc voilà, super moment à Bordeaux, du beau temps, du monde sur les quais, sur les ponts. Et franchement, un 10 km à faire. Hein. Je vous invite, tous ceux qui ne l'ont jamais fait, à venir. Franchement, l'ambiance, le parcours est top. J'ai tenté le sub 31 et au cinquième, je passais parfaitement. Mais après, j'ai totalement pété. Donc voilà, c'était dur, mais voilà, on reste focus sur le vrai objectif qui est le semi-marathon. On a travaillé les allures 3.15 sur la seconde partie de la course. Et voilà, maintenant on va devoir y aller, débrancher le cerveau et en mettre partout avec Tips pour la prochaine échéance dans 15 jours à Boulogne. Alors ça s'est bien passé, déjà pour dire record personnel battu de presque 3 minutes. Bonne sensation, mais même trop bonne parce que à la fin j'avais encore du jus, donc à charge de revanche pour la prochaine fois. Parcours super roulant, bonne ambiance, copains, copines pour encourager, ça fait plaisir. Le groupe m'a beaucoup aidé à aller vers ce record. Donc je suis pas quatrième, mais médaille en chocolat quand même, ça fait plaisir. Alors le groupe, c'est vraiment c'est ce qui fait tout le charme de la course. On s'entraîne ensemble et là, pendant la course, on est concurrents. Mais ça fait plaisir, y avait Maël, Adrien, Yacoub devant moi. Ça fait plaisir de les voir percer. Et pareil, de finir avec Romain, on se tire un peu la bourre et tout. C'est sympa de se tirer chacun vers le haut et de partager ça entre potes. C'est vraiment c'est top. Ouais. Et on sait qu'on s'entraîne tout le temps ensemble à l'entraînement. Et en fait, ça te pousse à ne pas lâcher, à continuer, à te dépasser. Et c'est ça, c'est la force du collectif. L'athlète, c'est un sport individuel de base. Mais là, quand tu as les copains qui sont devant toi, tu n'as pas le droit de lâcher. Et du coup, c'est top. Même là, il y avait Magda qui était à côté de nous pendant toute la course, à nous encourager, à nous booster, à nous donner le temps et tout. Et en fait, t'as qu'une seule envie, c'est de se battre pour les autres, quoi, et pas forcément que pour soi. On se pousse vers le haut, que ce soit à l'entraînement au quotidien et comme en course. Déjà, c'était cool parce que sur le parcours, il y a pas mal de demi-tours, donc on voyait tous les copains derrière. Donc c'était plutôt pas mal. Puis moi, j'ai tendance à être un peu collectif, donc dans la dernière ligne droite, j'ai dit « Allez gros, on s'accroche et tout ». Et bon, au final, il m'a sauté. Ah, c'était vraiment cool.